une nouvelle vidéo concernant les tables de multiplication. Alors, ça peut intéresser tout le monde, parce que je vais donner des enseignements, je veux dire, des enseignements utiles. Alors, donc les tables de multiplication. Bon, dans les tables de multiplication, il y a un minimum de minimum à savoir. Dire dans les tables de multiplication. Parce que est-ce que c'est plus utile de savoir utiliser un GSM que de savoir multiplier, de savoir cette table de multiplication? Ouais, quelqu'un qui a un GSM, un portable dans ses mains, enfin, on ne dit pas GSM, hein. GSM c'est le réseau GSM, on dit un portable. Parce que si on va dans d'autres régions de la Terre, bon, ce sont des réseaux satellites, donc on ne dit pas réseau GSM, on dit un portable. Voilà. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, ouais, quelqu'un qui a un portable, il peut utiliser sa calculette dans son portable, d'accord. Mais, moi, est-ce que c'est pas plus intéressant de, je veux dire, de savoir cette table de multiplication et aller faire ses courses et directement trouver la réponse sans sortir quoi que ce soit ou appuyer sur un bouton en deux temps de mouvement? Tout simplement pour avoir pris la peine d'avoir fait l'effort d'avoir étudié au préalable donc les tables de multiplication. Bon. Donc il y a un minimum de minimum à savoir, ce sont les tables de multiplication à connaître par cœur. Voilà. Et en fait, il y a les tables de 1 à 10 et les tables de 10 à 20. Et généralement, les tables de 1 à 10 sont aisément, facilement. Je m'excuse, j'arrive, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, me voici de retour. Donc, comme j'avais dit, je n'en avais pas pour longtemps. Voilà. Donc ici, il y a un minimum de minimum à savoir. C'est de savoir utiliser les tables de multiplication. C'est tout d'abord les connaître. Et généralement, ce que je constate, c'est que énormément de gens ne connaissent déjà pas les tables de multiplication par 10. Énormément de gens ne connaissent pas les tables de multiplication déjà par 10. Énormément de gens ne connaissent pas leurs tables de multiplication par 10. Alors, comment voulez-vous que, je veux dire, ces personnes puissent, je veux dire, s'attabler et commencer à faire des mathématiques, si la base du minimum n'est pas atteinte, c'est-à-dire la connaissance des tables de multiplication par cœur. Et il faudrait exiger des personnes, je veux dire, de réciter les tables de multiplication par cœur. Celui qui ne les connaît pas, il doit les réétudier, point à la ligne, il n'y a pas de secret. Et les étudier, ça revient pas à étudier, je veux dire, une journée, hein. Il peut les retenir en 3-4 journées successives d'affilée. Ou peut-être en une semaine, mais chaque fois revoir ces tables de multiplication jusqu'à ce qu'elles soient acquises. À moins que le problème, une personne ait un problème, je veux dire, au niveau du cerveau, qu'elle n'a pas la capacité, je veux dire, de pouvoir retenir. Là, bon, ça peut s'expliquer, mais généralement, des personnes retiennent plus vite, d'autres moins vite. Ceux qui retiennent moins vite doivent étudier, je veux dire, de manière plus long, mais il faut s'attacher jusqu'à ce qu'elle soit retenue, que ce soit les tables de multiplication de 1 à 10 qui sont très faciles, que les tables de multiplication de 11 à 20 qui, elles, sont un peu plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent 3 digits. 3 digits. Assez souvent, on retombe dans 3 digits. Et le cerveau, pour retenir 3 digits, bon, c'est un peu plus délicat que de retenir 2 digits. Quand je dis 2 digits, c'est
C'est trois positions de chiffres. Hein. À la place d'ordre, par exemple, 40, c'est deux positions, c'est 0 et 4. Quand je dis, par exemple, 266, c'est trois positions. Donc, le cerveau a plus difficile de retenir trois positions que deux positions. Voilà pour la raison pour laquelle la table de 20 est, enfin, de 11 à 20 est un peu plus, je veux dire, difficile à retenir que la table de, comment est-ce qu'on appelle ça, de 1 à 10. Bon, on ne fait pas la table de multiplication par 0. Pourquoi? Parce que 0 est absorbant. Tout nombre multiplié par 0 donne 0. 0, il absorbe tout nombre. Donc, ça ne sert à rien d'impliquer dans la, enfin, d'intégrer dans la table de multiplication par 0. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ça vaudra toujours 0. Celui qui connaît ses propriétés, il sait bien que tout nombre multiplié par 0 fait 0. Voilà. Alors que, bon, il y a certaines valeurs qui pourraient être données, je veux dire, par logique, mais éviter la logique. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître cette table de multiplication par cœur. Il n'y a pas à calculer par une logique ou par une autre. Bon, je vais expliquer la logique de certaines choses, mais je veux dire, pour certaines choses, parce qu'il n'y a pas toujours une logique, parfois il faut retenir par cœur. Point. Et voilà. Voilà. Ouais, j'ai été voir, avant d'entamer cette vidéo, j'ai été voir la Cappadoce. Cappadoce, ça se trouvait effectivement en Turquie. En fait, c'était des conflits de voisinage entre Grèce-Turquie, entre donc enfin, ces fameuses guerres de religion. Ça concerne la vidéo précédente concernant la croix de Saint-Georges. Je me suis trompé à plusieurs reprises. J'ai dit croix de Saint-André à plusieurs reprises parce que j'ai revu la vidéo. Effectivement, il faut recontextualiser cette chose en notant que c'est la croix de Saint-André. Bon. De Saint-Georges, pardon. Oui, je vais encore de faire l'erreur. C'est la croix de Saint-Georges, parce que la croix de Saint-André, c'est de plus. Voilà. Alors bon, la multiplication peut être donnée par. Mais ça, c'est plutôt, je veux dire, au niveau du clavier informatique. Hein. Le clavier informatique donne une multiplication avec, je veux dire, une espèce d'étoile. C'est une espèce d'étoile. Hein. Voilà. C'est une espèce d'étoile. Donc, ça, c'est le multiplier informatique, mais on peut lui faire. S'il n'y a pas de confusion. La multiplication, s'il n'y a pas de confusion, hein, si A fois B, ben on peut enlever le point d'opération multipliée et laisser AB, s'il n'y a pas de confusion. Parce que, en fait, on évite la croix quand on joue avec des littéraux. Parce que AX, ceci, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire AXB? Quelqu'un l'écrit comme ceci, va l'écrire comment? AXB ou A fois B? Ouais, tout dépend de la personne qui l'a écrit. Généralement, c'est des écritures manuelles, pas informatisées. Donc, il y a des gens qui vont écrire un et pour éviter les confusions d'écriture manuelle de certaines personnes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met soit un point et soit pas de point du tout, parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Quand on voit AB, c'est une multiplication. Quand on voit 3AB, c'est une multiplication. Voilà. Ça, c'est pour les multiplications, l'opération, je veux dire, de multiplication. Alors, il faut savoir que les tables de multiplication jouent avec des entiers. Elles jouent, c'est une table d'entiers naturelle. Hein. Donc, il n'y a pas de nombre négatif. Il n'y a pas de nombre à virgule. Ce sont des entiers, point. Il n'y a pas de discussion. Ce sont des. Deuxième chose, c'est que comme on a des entiers, on va avoir les propriétés des nombres entiers. Donc, on aura les propriétés de commutativité. Oui, pourquoi je dis commutativité et pas associativité ou quoi? Il n'y aura pas d'associativité parce qu'on ne joue qu'avec deux variables. Deux variables. AB, hein, on fera A fois B, une fois 2, 3 fois 4, 5 fois 6 dans les tables de multiplication. Et on ne fera pas les tables de multiplication de 3 fois 4 fois 2. Bon, hein, on retient les principales tables de multiplication, je veux dire, de deux nombres. Et celles de trois nombres, ben, on fait par composition. On associe deux nombres. On trouve la réponse et on fait les tables de multiplication avec deux nombres. Voilà. Si on a, on ne va pas étudier les tables de multiplication de quatre nombres, puisqu'en fait, on associe les deux premières, on en fait une opération, ou, voilà, suivant un chemin bien précis, hein, les deux suivantes, et après, on fait l'opération des deux premières, l'association des deux premières avec l'association des deux suivantes, et on trouve la réponse en appliquant les tables de multiplication qui sont toujours des multiplications par groupe de 2 et pas par groupe de 3 ou 4. On n'étudie jamais les tables de multiplication par 3 ou par 3 valeurs ou 4 valeurs. Voilà. Ça n'existe pas les tables de multiplication comme ça. Autant faire le calcul par les propriétés d'associativité, de commutativité, etc. pour trouver, je veux dire, la réponse
à une valeur et puis appliquer quand on a deux valeurs, uniquement quand on a deux valeurs, table de multiplication, multiplication. Donc, on doit jouer avec les propriétés de on peut jouer avec les propriétés de commutativité de deux nombres ici. Je vais expliquer comment. Alors, ça c'est dit. Alors, il faut savoir que la multiplication, c'est une addition en fait, hein. Ouais. Si je fais 2 fois 4, c'est tout simplement l'écriture de 2 plus 2 plus 2 plus 2. Comme les exposants, 2 exposants en 3, ben, c'est une multiplication, hein. Il est plus facile d'écrire en 2 exposants en 3. Imaginez que je dois écrire 2 exposants en 8. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il est plus facile d'écrire 2 exposants en 8 que d'écrire à chaque fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 8 fois. Donc ça, c'est une écriture mathématique pour abréger ceci. Tout comme la multiplication est une écriture mathématique pour abréger 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc en fait, 2 fois 4, c'est 4 paquets, hein, deux objets ou 2 paquets de 4 objets. Ouais, on peut commuter en fait. Voilà. Donc c'est une somme. Donc, faire une somme, c'est multiplier. Faire une somme de même terme, de termes équivalents, identiques, hein, ça revient à une multiplication. Ah. Voilà, c'est ça la multiplication. Donc, maintenant, on va en arriver où on doit en arriver. Sachez aussi que, comme je viens de dire, ce sont des entiers. Et qui dit entier, on a les propriétés des entiers. C'est-à-dire que si j'ai un nombre qui est décomposable en un nombre pair de termes, on aurait un nombre carré. Alors que si un nombre qui est décomposable par division en un nombre impair de termes, hein, on aura un nombre rectangle. Par exemple, je prends 16. Je fais la décomposition de 16 par 2. Ça fait combien? 8 par 2, 4 par 2, 2 par 2, 1. Donc, 16. Les nombres divisés, qui divisent 16, bien sûr, c'est 1 et c'est 16, mais on a aussi, je veux dire, on aura 2, hein, 2, 2 fois 2, il y aura 4, 2 fois 2 fois 2, il y aura 8, et 2 fois 2, fois 2 fois 2, 16. Donc, une fois 16, pour vérifier, on fait une fois 16, 16, 2 fois 8, 16, et 4 fois 4, 16. Alors, vous voyez qu'il y a un nombre 1, 2, 3, 4. 5, il y a 5 termes. Et quand il y a un nombre impair de termes, de diviseurs, hein, c'est que le nombre est carré. Ça veut dire qu'il possède un carré qui est au milieu ici. 4 fois 4, ça fait 16. S'il y avait un nombre pair de termes, à ce moment, le nombre est 1, 2, 3, 4, 5, 1 fois 16, 16, 2 fois 8, 16, voilà, 4 fois 4, 16. Quand on a un nombre pair de termes, en ce moment, on a affaire à un nombre rectangle et on n'a pas de, on n'aura pas la racine carrée de la valeur ici, comme ici. Eh bien, tout ça, je vais l'appliquer. Hein. Ce que je viens de dire ici, je vais l'appliquer. Bon, tout d'abord, je vais l'appliquer à la table de jusque 10. Et ça, celui qui fait des mathématiques qui ne connaît pas cette table de multiplication, ce n'est pas la peine qu'il fasse des mathématiques. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pas la peine parce que je veux dire c'est le béaba, je veux dire de ce qu'il faut savoir. C'est les tables. Quelqu'un qui ne connaît pas ces tables, il ne fait pas de mathématiques, il doit d'abord étudier, je veux dire prendre quelques jours à entamer l'étude des tables. Bon, ici, j'ai corrigé janté parce que j'ai mis le 1. J'ai mis la table par 1. Mais le 1 dans la multiplication, comme c'est des entiers, le neutre pour la multiplication des nombres entiers, ben. Le neutre, c'est 1. Donc, ça veut dire que quelle que soit la valeur que je vais multiplier par 1, ça fait toujours la valeur pour laquelle je multiplie par 1. Donc, 1 fois 1, 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. La table par 1, elle est facile. Hein. En fait, c'est reprendre tous les nombres de 1 à 10. Voilà. Et c'est une copie, en fait, de la valeur, de la variable que je vais multiplier. Hein? Avec l'autre valeur. Voilà. Mais on peut dire autant, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 1, mais on peut dire autant de la commutativité, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 1. Parce que y aura une symétrie du tableau, vous allez le voir tout de suite. Donc,
On va écrire. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. On retrouve tous les noms de 1, les nombres de 1 à 10. Moi, j'étais gentil de mettre le 1 parce que normalement, on ne met jamais le 1. On sait bien qu'une fois n'importe quel nombre, ça fait toujours le nombre. Hein. Normalement, il faut commencer par un tape par deux. Le minimum, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, la tape par deux, ben, ce sont les nombres pairs. Donc, c'est tous les nombres pairs. Ben, les nombres pairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, je vais réécrire ici. Comment je vais écrire ça pour bien expliquer ça, hein? Deux, donc, j'ai mis 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On ne peut pas se tromper dans la table par deux. Hein. Voilà. Ouais, c'est interdit de se tromper. Donc il faut connaître la table par deux par cœur. Hein. Je veux dire, celui qui fait des maths, c'est comme ça. Bon, la table par trois. Bon, on va retrouver la table par deux ici. C'est-à-dire, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà. Sans se tromper. Ça doit être connu par cœur. C'est du par cœur, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de logique là-dedans. Quoique le tableau fait apparaître une logique. Bon, fatalement, je vais l'expliquer après. D'après les propriétés des entiers. Puisqu'on joue avec des entiers. Bon, alors. La table par 3. On a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Bon, la table par 3 dans ce sens-ci maintenant. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Voilà. Vous voyez que j'utilise un marqueur rouge et un marqueur bleu. Il y a une raison pour laquelle je fais ça que je vais expliquer. Alors, la table par 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. La table par 4, à ce niveau-ci, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Vous voyez qu'il ne doit pas y avoir de confusion possible, hein. Ça doit être écrit en automatique. C'est ce qu'on appelle connaître ces tables. S'il y a une confusion, dire qu'on ne connaît pas très bien ces tables. Bon, ici, la table par 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Après, on va discuter sur les tables ici, hein. Voilà, donc on en discutera après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Bon, là, on fait la table par 6, toujours en rouge. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 et enfin 60. La table par 5 ici n'a pas été faite. Hein, en horizontal, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et la table par 6 maintenant, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 et enfin 60. La table par 7 maintenant. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 et enfin 70.
Alors, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, et enfin 70. La table par 8 maintenant. Huit, seize, vingt-quatre, trente-deux, quarante, quarante-huit, cinquante-six, 64. Oh là, 64, c'est en bleu. Soixante-quatre. Oui, il faut être 64. Huit fois neuf, 72 et 80. Donc ici on a 56, 64, 72 et 80. Par contre ici c'est en rouge. À partir d'ici. Soixante, 56. Ouais, à partir d'ici, 64, 72 et 80. Voilà. La table par 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 et 90. Voilà. En horizontal, on a 90. Et enfin, 100. Bon, discutons sur ce tableau-là. On va beaucoup discuter sur ce tableau-là. Bon. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, ici, on a 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, 6 fois 6, 36, 7 fois 7, 49, 8 fois 8, 64, 9 fois 9, 81, et 10 fois 10, 100, on a la table des carrés en fait. Donc la diagonale est la table des carrés. C'est normal. C'est normal d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, la table, si on a un nombre impair de termes, en fait, celui du milieu, c'est la racine carrée du nombre ici. Donc, 4 est le carré de 2 fois 2. 9 est le carré de 3 fois 3. Voilà. Bon, maintenant, autre chose. Si, j'ai combien de valeurs? Quels sont les diviseurs de 2? Ben, c'est 1 et 2. Donc on voit bien, on a combien de termes? On a une diagonale. En fait, on a une espèce de diagonalisation ici, en fait. Qui fait que on a une symétrie. Parce que la multiplication est commutative. Faire A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Voilà. La symétrie, ça répond à la notion de commutativité. Voilà. Maintenant, il y a combien de termes? Il y en a deux. Là, il y en a combien? Une, deux, trois. Voilà un nombre. 3 fois 3 va donner 9. Hein, les diviseurs de 9, c'est 1. 1, 3, 9. Donc, on a trois diviseurs possibles. Donc, fatalement, on a un nombre impair de termes. Et donc, on aura. Attendez, ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte une bêtise. Ici, on en aura 3. On en aura 3. 1, 2, 3. Oui. Si je prends une ligne ici, on en aura 3. Là, on aura 4. Là, on aura 5 valeurs. Voilà, par rapport à la diagonale. Ici, j'en ai 2. Là, j'en ai 3. Donc, j'en ai un qui sera carré. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Hein, c'est pair. Donc, il rencontre une intersection qui n'y a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire ici, par exemple ici. Voilà. Si je prends celui-là maintenant. Voilà. Là, j'ai un 4. J'ai un nombre impair de termes. 1, 2, 3. Ben, il y en a un qui sera carré. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de carré ici. Là, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, j'ai un carré. Ici, je n'aurai pas de carré. Une, voilà, parce qu'il y a un nombre pair de termes. Là, j'ai un nombre impair de termes. Donc, j'aurai un carré ici, etc. Donc, à chaque fois, il y aura des valeurs, il y aura un carré, d'autres qui n'auront pas de valeur.
Parce que c'est à cause de la diagonalisation ici. Donc la table par 1, elle est facile. La table par 2, c'est le nombre pair. Jusque 20. La table par 3, qu'est-ce que c'est? Mais constatez ici que... Bon, donc la table par 3, c'est faire plus 3. Hein. 3 plus 3, 6. 3 plus 6, 9. 3, 9 plus 3, 12. 12 plus 3, 15. 15 plus 3, 18. 3 plus 18 plus 3, ça fait 21. 21 plus 3, 24. 21, 24 plus 3, 27. 27 plus 3, 30. Bon, c'est facile parce que on n'ajoute que 3. Mais s'il fallait à chaque fois rajouter 17 ou à chaque fois, bon, là, je vous ramènerai aux tables par 17. Vous verrez qu'on ne fait pas facilement la somme par 17. Hein. On peut en faire quelques-uns par 17, ça va être facile. Mais après, on commence à calculer, on prend son temps. Donc ça veut dire que vaut mieux connaître les tables par cœur, la table par 17 par cœur. Voilà. Mais ça, on étudie ça, je veux dire, bon, en primaire. Donc, je veux dire, un adulte, il est capable de retenir de 11 à 20. Hein. En 2-3 jours, c'est fait. S'il ne le fait pas, c'est par fainéantise, j'ai rien de plus. Voilà. Alors, la table par 4. Mais la table par 4, c'est le double de la table par 2. Hein. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 6 fois 2, 12, 3 fois 8 fois 2, 16, 10 fois 2. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. 4, c'est égal à 2 fois 2. Donc, faire fois 4, c'est faire fois 2 et encore fois 2. Si on a fait fois 2. Mais si je fais encore fois 2, ben, j'ai fait fois 4. 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 12 fois 2, 24, 6 fois 2, 32, 20 fois 2, 40, 24 fois 2, 48, 28 fois 2, 56, 32 fois 2, 64, 36 fois 2, 72, 40 fois 2, 80. Voilà. La table par 5, ben, on retrouve que des multiples de 5, c'est-à-dire se terminant par soit 0 ou par 5. Attention que 5, ça ne se termine pas par 5, parce qu'en fait, c'est 0,5. Donc ça se termine par 5. Voilà. Donc on a 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Mais quand est-ce qu'on a 0? Mais quand on multiplie le 5 par un nombre pair. 5 fois 2, 10. 5 fois 4, 20. 5 fois 6, 30. 5 fois 8, 40. Donc multiplier 5 par un nombre pair va donner d'office un nombre avec se terminant par 0. Donc 5 fois un nombre pair, ça se termine par 0. Mais par contre, 5 fois un nombre impair, donc va se terminer par un 5. Voilà. Alors, faire fois 6. Faire fois 6, c'est quoi? Ben, on fait fois 2 et puis encore fois 3. En fait, il suffit de prendre ceci fois 3. 2 fois 3, 6. 4 fois 3, 12. 6 fois 2, 18. 8 fois 3, 8 fois 2, 8 fois 3, 24. 10 fois 3, 30. 12 fois 3, 36. 14 fois 3, 42. 16 fois 3, 48. 18 fois 3, 54. Et 20 fois 3, 60. Voilà. Donc la table par 6, par 3, par 2, bon, par 4, tout est simple. Hein. Ici, bon, il n'y a pas de complication. Il y a peut-être juste une petite complication, si on peut appeler ça une complication. La table par 9, elle est facile. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs même la plus facile. D'ailleurs, il y a une blague sur ça. Hein. Il y a une blague sur ça. Je vais la raconter, comme ça, bon, si ça peut aider certaines personnes. La table par 9. Bon, Toto doit passer un examen. Voilà, on a Toto. Il doit passer un examen. Bon, en fait, Toto, il n'a pas étudié. Toute la journée, il n'a pas étudié. Et en fait, on lui demande. Enfin, il a été joué à la place d'étudier. Bon, voilà, et il se retrouve face à son destin, à son examen à passer. Voilà. Alors, mais c'est pas un tricheur, Toto n'est pas un tricheur. Hein. Bon, je veux dire, il respecte quand même, je veux dire, l'honnêteté, le cadre de l'honnêteté. Alors, bon, voilà Toto, avec sa cape. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il doit répondre à trois questions. Bon, tout d'abord, la table par 9, 1 fois 9, 2 fois 9, 3 fois 9, 4 fois 9, 5 fois 9, 6 fois 9, 7 fois 9, 8 fois 9 et 9 fois 9.
Ensuite, il doit répondre dans sa copie, donc qu'il a sur sa feuille de papier. Bien sûr, il a son plumier, etc. Il a quand même sorti son plumier. Son cartable est ici aussi. Bon, il s'embête à l'examen. Il ne peut pas sortir de l'examen tant qu'il n'a pas. Tant que c'est pas l'heure. Mais lui, il ne connaît rien, il n'a pas étudié. Et il doit faire la racine carrée de 81 et la diagonale d'un carré. Voilà, ces trois questions. Bon, mais lui, bon, il est obligé de rester en classe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais, Toto, il commence à compter. Hein? Ben, il sait bien qu'une fois 9, bon, faut pas le prendre pour un idiot. Il sait bien qu'une fois 9, ça fait 9. Hein. Mais il sait bien que 9 fois 10, ben, il sait bien que c'est 9, on rajoute un 0, ça, bon, c'est ce qu'il a retenu, Toto, je veux dire, pendant les cours. Et là, il commence à calculer. Bon, il n'a rien à faire d'autre que de passer son temps à compter combien d'exercices qu'il y a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour voir s'il a correct pour voir s'il a bon dans le nombre hein, d'exercices, il recompte à l'envers juste pour vérifier s'il a un nombre correct de. Voilà. Et il calcule 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bah, racine carrée de 80, il se dit, bon, cela tape par 9, ben, comme il a vu du 9 partout, il met un 9, parce qu'il voit du 9 partout. Diagonale de carré, il sait vraiment pas, hein. Il barre. Et voilà. Donc, vous avez bien vu que d'après Toto, ben, il nous a appris quelque chose. Toto nous a dit que il suffit, la tape par 9, c'est facile, il suffit de. Hein, de comptabiliser dans un sens et dans l'autre. Mais ça, c'est pour la logique. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas. Normalement, il ne faut pas étudier. Il ne faut pas ça, calculer ces tables. Il y a une logique. Il faut les connaître par cœur. La table par 9, elle doit être connue par cœur. Donc en fait, ici, il suffit de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, la table par 10, bon, il suffit d'ajouter un 0 chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais on rajoute un 0, hein. Ça c'est faire fois 10. Bon, il y en a, ils ne savent pas calculer. À propos de Toto. Propos de Toto, quand en classe, on lui demandait de calculer. Bon, de 1 à 10. Mais généralement, quand le professeur lui demandait de calculer de 1 à 10, Toto, il travaillait pas. C'était un footballeur, c'était tout ce que vous voulez. Mais un tennisman, un footballeur, et il courait. Hein, quand il a ses heures perdues, il n'arrêtait pas de courir. Donc, on lui demandait de compter de 1 à 10. Il faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Ouais, mais le professeur, il lui demandait chaque fois, ouais, est-ce que tu as mis ton œuf? Mais lui, il l'a cuit, il l'a mangé. Il a cuit son œuf et il l'a mangé. Bon, ça, on ne peut pas lui en vouloir. On peut, je veux dire, s'il a mangé un œuf la veille, pourquoi pas. Enfin, bref. Donc, ici, donc c'est la table de multiplication par 10. Donc, on voit bien le tableau. Je veux dire, il est symétrique. Symétrique. Et en fait, il n'y a pas à comprendre. C'est un tableau à connaître par cœur, en fait. Il y a des petites logiques qui ressortent. Hein, par rapport aux parités, par rapport aux multiplications par 2, par rapport, hein, je veux dire, par exemple, aux multiples, hein, 9, si je prends 9, il est multiple de 3, donc hein, si je connais la table par 3, je fais 3 fois 3, 9, 6 fois 3, 6 fois 3, 18, 9 fois 3, 27, et ainsi de suite, je peux trouver la table par 9. La table par 10, bon, il suffit de rajouter des zéros. Voilà, donc, la table, ça, c'est le minimum du minimorum. Comme je l'ai dit au départ, celui qui ne connaît pas cette table de 1 à 10, même pour un adulte, hein, je veux dire, pour un adulte, c'est grave, parce que pour aller faire des courses, des commissions, compter des petites choses, chaque fois sortir sa machine à calculer, c'est grave. Bon, maintenant, il y a juste une petite chose, c'est que les gens peuvent se tromper, je vais vous montrer là où les personnes peuvent se tromper, c'est le fameux 8 x 7, ou 7 x 8. 8 x 7, beaucoup de gens se trompent, c'est 56.
Voilà. C'est une des valeurs bon, que les personnes se trompent assez souvent. C'est celle-ci. En dehors de ça, pourquoi elles se trompent sur ça, je sais pas trop. Parce que peut-être que les tables étant ici de plus en plus. Elles sont faciles, très faciles, puis commencent à devenir un peu plus complexes. Et 56, on ne sait jamais, c'est bon. Les facettes 56, on ne sait pas où ce qu'on en est. Bon, c'est le cerveau qui traite un petit peu, je veux dire. Mais quelqu'un qui connaît les tables par cœur, qui les revoit assez souvent, une facette 56, point. Il n'y a pas à discuter, ça ne se discute pas comme les logiques que j'ai montrées. Bon, maintenant, ceci étant dit, on va faire la table par les tables de 11 à 20. Et ça, c'est pour les adultes, en fait. Et même pour les étudiants, parce que bon, ça peut aider énormément un étudiant. Parce que là, généralement, les calculs qu'on fait, c'est des petits calculs, c'est avec des petits nombres. Même si c'est des grands nombres, les grands nombres, c'est des composants dans des petits nombres. Donc, fatalement, on tombe sur des petits nombres. Et généralement, quand on fait 14 fois 17, bon, ça arrive assez souvent. Généralement, les gens ils reprennent leur machine. Bon, temps de prendre la machine, le temps de l'allumer, le temps. Il y a des personnes qui ont déjà trouvé la réponse bien, bien, bien longtemps. Ils sont déjà ailleurs. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne peut qu'aider. Il suffit de prendre 3-4 jours et étudier les tables de multiplication par de 11. Donc, on a toujours les deux valeurs à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, on aura 11, 12. Bon, il faut bien les écarter parce que ça va donner 3 digits, hein, comme je le dis, 3 positions, 3 rangs. Assez souvent, hein. Au début peut-être pas, mais après c'est 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et enfin 20. Voilà. Bon, alors ici on va faire les lignes horizontales. Et on va commencer nos calculs. Bon, il y a une des tables les plus faciles. Ici, on aura les mêmes propriétés que tout à l'heure. On aura une diagonalisation avec un nombre, avec des carrés qui vont se retrouver, je veux dire, à certains endroits. Ils ne donneront pas toujours des carrés. Voilà. Alors, la table par 11. Donc, ça va donner, donc, je vais écrire en noir. Onze fois 11, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 187, 198. 209 et 220. Voilà. Ça, c'est par cœur. Par cœur. Donc, j'ai eu juste peut-être 18 fois 11. Enfin, 18 fois 11, je suis un petit peu, je veux dire, j'ai un petit peu, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Hésité. Mais il y a un truc à ça, pour les tables par 11. Il suffit d'écarter le 1 et 1. Et faire 1 plus 1, 2. Écarter le 1 et 3, le 1 et 2, pardon. Et faire 2 plus 1, 3. Écarter le 1 et 3, faire 3 plus 1, 4. Écarter le 1 et 4, faire 4 plus 1, 5. Écarter le 1 et 5, 5 plus 1, 6. Écarter le 1 et 6, ah ouais, ce qu'on voit. Oui. 1 et 6, 70. 1 et 7, 187. 1 et 8, 198. 1 et 9. Et voilà. Là, 9 plus 1, ça fait 10. 10. Donc ça veut dire que j'ai écrit 0, je reporte 1. Et comme 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 209. Là, j'ai un report. Voilà. Maintenant, fois 20, c'est facile. Hein. Bon, on fait 2 fois 11, ça fait 22, on rajoute un 0. Voilà. Bon, donc, je fais la même chose ici. On a donc 132.
143, 154, 165, 176, 187, 198, 209 et 220. Voilà. D'ailleurs, il y a une table où j'aurais dû faire dès le départ. C'est la table par 20. C'est la table par 20. Elle est très facile. Et je veux dire, normalement, il faudrait l'éliminer parce que, bon, dire. Donc, ce qui va donner 11 fois 12, 220. Là, on fait 24, 0. 13 fois 2, 26 avec un 0. 14 fois 2, 28 avec un 0. 15 fois 2, 30 avec un 0. 16 fois 2, 32 avec un 0. 17 fois 2, 34 avec un 0. 18 fois 2, 36 avec un 0. 19 fois 2, 38 avec un 0. Et 20 fois 2, 400. Voilà. Donc ici, on retrouve le carré, hein. 11 fois 11, ça fait 121. Bon, par 12, on a donc 132, 144, 156, 168, 180, 192, 192, 204, 204, 216 et 228. Voilà. Donc, cent vingt-huit et 240, donc c'est juste. Voilà. Bon, alors, remarquez que 12 fois 2, ça fait 12 fois 12, ça fait 144, hein. Donc, ici, on va refaire en horizontal. Donc, 11 fois 12, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 17 fois 12, 216, 228, 228 et enfin 240. Alors, maintenant, on va faire la table par 16. Je vais prendre en noir. Par 16, 100. Donc, ça qui fait 143. Cent cinquante-six, voilà. Donc ici, après 13, 143, donc 143, 156, 143, 156, voilà. Bon, donc ici, 156, 13 fois 13, 169. Hein, 13 fois 13, ça fait 169, j'ai un carré parfait. Bon, 14 fois 14, ça va être facile, hein. Je vais le mettre tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est 169 et je permute le 9 et 6, ce qui fait 100. Je le mets quand même maintenant. Il suffit de permuter 14 fois 14, c'est pas 69, mais c'est 96. On permute le. Voilà. Et on sait bien que 15 fois 15, ça fait 225. Bon. Alors. Ben, ayant mis ceci, donc on a la table par 13, ouais, la table par 13, donc 169, 100, 182, 100,
195, 208, 221. Donc 208, 234, 200, 247 et 260. Donc, on va dire, c'est la table par 13, hein. Donc 143, 156, 169, 182, 195, 208, 221, 234, 247. Donc 143, 156, 169, 182, 195, 208, 221, 234, 247 et 260. Voilà. Bon. Par 14, ça donne 154, 168, 182, 196, 210, 224, 236, 250, 264, 238 ici. 238. 252, 260, 266. Donc, 196, 210, 224, 238, 256, 252, 266 et enfin 280. Voilà. Donc, je vais le noter comme ceci. 154, 168, 182, 196, 210, 224, 238, 252, 266 et enfin 280. Alors, la table part comment? Par 15. Donc c'est 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 et enfin 300. Donc c'est 240, 255, 270, 285 et 300. Bon, la table par 16. Oui, 16 fois 16, ça fait 256. Hein. Voilà. C'est un carré parfait. Carré parfait. 16 fois 16, 256. Voilà. Donc, ici, ça va donner quoi? 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, 288 et 304. Voilà, 304. Donc, 256, 272, 288, 288, 304 et 320.
Alors, 17 fois 17, c'est 289. Voilà, carré parfait. Voilà. 187, 204, 221, 238, 255, 272, 289, 306, 323 et 340. Donc 289, 306, 323 et 340. Bon, 18 fois 18, c'est 324. Cent vingt-quatre, c'est juste. Voilà. Bon, donc la table par 18. 198, 216, 234, 252, 270, 288, 366, 324, 342 et 360. Voilà. Alors, donc on fait la table par 18 comme ceci, 324, 342 et 360. Voilà. Alors, la table par 19. 209, 228, 247, 266, 285, 304, 323, 342 et enfin 361. Voilà. Et enfin ici 361 va nous ramener ici à 380. Voilà. Donc ça, ce sont les tables de multiplication. C'est plus difficile à retenir, mais à la limite, de retenir enfin, ça, je veux dire, en étudiant 2-3 jours. Hein. En étudiant 2-3 jours. Bon, il peut faire cette partie-là dans un premier temps, et puis cette partie-ci dans un second temps, et cette partie-là dans un troisième temps. Mais c'est vrai que c'est trois positions de chiffres. Trois positions de chiffres, et bon, pour retenir ça dans le cerveau, c'est déjà un peu plus délicat. Et ici, donc, on a toutes les tables de carré. 11 fois 11, 121. 12 fois 12, 144. 13 fois 13, 169. 14 fois 14, on inverse le 9 et 6, ça fait 196. Enfin, moi, je retiens comme ça. 14 fois 14, je vais avec 13 fois 13, ça fait. Je prends pour référence le 13 fois 13, qui est 169. Et j'inverse les deux derniers chiffres, ça fait 196. 15 fois 15, c'est 225, c'est facile. 16 fois 16, on l'utilise assez souvent, c'est 256. 17 fois 17, là. C'est un peu plus délicat hein, parce que généralement on prend la machine et on l'oublie assez souvent. Idem pour le truc 18 x 18 et 19 x 19. Donc les carrés ici, il faut les retenir par cœur. La table des carrés 324, 361. Voilà. Mais là, il n'y a pas de truc à donner, il n'y a pas de truc. Là, c'est on connaît ou on ne connaît pas. Bon, maintenant, on peut avoir une certaine confusion. À un moment donné, essayer d'aller chercher, mais ça veut dire que si ça ne sort pas tout de suite, c'est qu'on ne connaît pas donc, la table par cœur. Donc, je conseille vivement de prendre aux personnes qui font aussi souvent des calculs avec des multiplications, de retenir cette table-là. Je sais bien que c'est un petit peu embêtant,
Bah, il faut prendre, faut être motivé pour le faire et il faut prendre un certain temps, 3 jours, 4 jours, et ne faire que ça. Maintenant, ça va être la période de vacances, donc la plupart des personnes peuvent, je veux dire, s'atteler à étudier. Et une fois qu'on a étudié ça, par après, le monde des mathématiques, il devient de plus en plus facile. Hein, parce que, je veux dire, on ne sort pas sa calculatrice pour un 17 fois 15. 7 fois 15, c'est quelqu'un qui connaît cette table de multiplication. 7 fois 15, 255. Ouais, cette table-là, il faut le mettre dans le cerveau, c'est ça qu'il y a. Faut reprendre. Alors vous allez me dire, ouais, mais les mémoires, c'est justement des tableaux de nombres. Les mémoires. Autant avoir une mémoire informatique, taper ça dedans et aller chercher. On n'a pas toujours, je veux dire, un outil informatique à côté de soi. Hein. Mais ici, moi, je veux m'atteler. La prochaine vidéo, je vais voir ce que je vais faire la prochaine vidéo. Mais je vais peut-être m'atteler à faire des tables comme ceci, sous forme informatique. Je vais regarder sous forme informatique, on va essayer de faire une table comme ça de multiplication. Tout ça, quelqu'un qui a envie d'apprendre le codage, je veux dire, d'une table, simple. Je ne suis pas informaticien, je vous le dis tout de suite, mais je veux dire, je peux aider certaines personnes au niveau informatique à avoir certains codes que je pourrais, je veux dire, faire et qui pourraient essayer les tables de multiplication, je veux dire, tester les codes et voir. Mais de 1, l'étape de 20, parce qu'après, au-delà de 20, ça ne sert plus à rien. Hein. S'il y a des gens qui savent retenir l'étape jusque 100, tant mieux pour lui, mais bon, je veux dire, autant moins pour eux. Il y a les machines à calculer aussi, bon, ou la table de multiplication écrite, à la main manuelle. Ça va vite aussi, hein. On fait un petit calcul manuel, ça va vite. Bon, mais ceux-là, j'ai mis ça pourquoi? Parce que ça intervient assez souvent. Bon, mais maintenant, il faudrait me trouver quelqu'un qui connaît l'étape jusque 100. Je vais déjà m'entendre, moi, c'est quelqu'un qui connaît l'étape de jusque 100. Les gens, ils perdent pas de leur temps à mémoriser bon, des valeurs dans leur tête, comme ça, un tableau de valeurs. Parce que une table de 10, ça contient 100 valeurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il y a déjà 100 valeurs à tenir dans le cerveau. 100. Et l'étape de 10, ça fait 100. 100 plus 100, ça fait 200. Donc, étape de 100 jusque 100, c'est 1000 valeurs à retenir. Hein, 1000. Mais bon. Je connais personne qui connaît, je veux dire, 1000 valeurs comme ça, je veux dire, dans la tête, comme ça, qui peut prendre tout et n'importe quoi comme 224, 288, 323, 247. Et après, il vient après des positions à plus de valeurs, hein, à plus de rangs. On aura peut-être 3-4 rangs après. Peut-être 5 rangs. Donc, je veux dire, chapeau ceux qui connaissent l'étape jusque 100. Bah, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait l'étape jusque 100. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, bon, les gens, je vous dis, ils ne prennent pas leur temps à passer. Je dis jusque 20, c'est bon. L'étape jusque 20, quelqu'un qui connaît l'étape jusque 20, c'est magnifique. Voilà. Donc, si celui qui connaît cette table C, ça peut beaucoup l'aider énormément. Ça prend 3-4 jours pour étudier ça. Allez, une semaine. Une semaine, c'est dans le cerveau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Normalement, j'aurais dû faire ça dans une table comme ça. Bon, parce que j'avais pas de place. Notez bien que la mémoire informatique est comme ceci. C'est des structures comme ceci. Mais le cerveau, je sais pas, c'est pas comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, il faut ranger une table dans sa tête. C'est vrai que c'est un peu spécial. T'as une table de valeur. Bon. Nos cerveaux, c'est pas des cerveaux informatiques. Hein. Bon, c'est plus facile à faire retenir des quantités d'informations à un ordinateur que. Parce que le cerveau ne traite que des informations, je veux dire, utiles. Ce qui n'est pas utile, je veux dire, jusque 20, c'est utile. L'étape jusque 20, c'est utile. Mais après, il sait bien que le cerveau, il sait bien qu'il sait faire le restant par calcul manuel. Donc, à quoi bon, je veux dire, retenir l'étape jusque 100 ou jusque 1000, il n'y a aucun sens. Voilà, je vous remercie.